Stéphane Bern. À la bonne heure. Sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Jarre pour la sortie demain d'Electronica, l'album Événement, parce que ça sort en même temps dans le monde entier, non ? Oui, exactement, oui. Apparemment. Enfin, bon, alors maintenant, dans l'état de l'industrie, dans lequel se trouve l'industrie de la musique, on ne sait pas exactement dans quelles conditions ça sort, mais ça sort dans le monde entier. Alors justement, à propos d'état, on a un document historique. Oui. Il s'est passé ici, sur RTL, une chose en 1983. Il y avait un jeune garçon qui avait 11 ans, qui était là et qui vous regardait travailler, vous regardait faire, parce que vous aviez fait un happening en quelque sorte. On va d'abord écouter, ouais. Vous allez voir si ça évoque des souvenirs pour vous. D'accord. Ils sont pas optimum. Vous vous souvenez ? Je me souviens très bien. Il s'agissait en fait d'un album que j'ai fait à un seul exemplaire. Oui. Et qui s'appelait Musique pour supermarché. Oui. Exactement. Ah, oui. Et qui était en fait le j'ai eu des insultes de tous les patrons de maisons de disques d'ailleurs, puisque mon nouvel album en fait sortait à un seul exemplaire, ce qui aujourd'hui est une vente importante dans l'industrie de la musique, mais qui à l'époque n'était pas exactement dans l'air du temps. Ouais. En fait, l'idée était en fait de réagir contre le monde de la musique qui devenait une industrie, l'industrie de la musique qui allait vendre les CD, comme on le sait, comme du dentifrice et des savonnettes sur les supermarchés, et qui allait tuer les disquaires. Et c'était le début, d'une certaine manière, de la fin, ce qui était un peu prémonitoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, et qui en plus nous présentait cette industrie comme le CD étant le graal de la qualité en matière de son. Et on sait très bien que le CD était moins bon que le vinyle, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le MP3 est moins bon que le CD. Donc, en tout cas, vous l'avez détruit publiquement. Voilà. Je l'ai détruit publiquement avec ici RTL, et en même temps avec un message qui était piratez-moi sur RTL. Voilà. C'est ce qu'a fait un jeune garçon, 11 ans, sauf que regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Ah, c'était lui. C'est lui, bravo. C'est Alex. Justement, je n'ai pas la cassette. Incroyable. Et il a la cassette. Incroyable. Et c'est ça qui vous a donné envie de rester. Voilà, très bien. Jean-Michel, il veut bien vous revendre cet enregistrement pour 150 000 euros seulement. Très bien, parfait. Parfait. On va discuter. Alors, on marque une pause, on retrouve Jean-Michel Jarre et on va faire l'interview. Jean-Michel Jarre par Jean-Michel Jarre. Et puis je rappelle que Régis Maillot, vous êtes demain, vendredi et samedi, à la Nouvelle Scène. C'est sur 3 quais de Montebello, c'est à Paris dans le 5e, avec RTL bien sûr. Stéphane Bern. À la bonne heure. Sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Jarre pour la sortie d'Electronica. Et j'ai préparé une interview Jean-Michel Jarre par Jean-Michel Jarre. Je crains le pire. Mais non. Vous êtes toujours avec Stéphane Bern, bien entendu, absolument. Toute l'équipe. Donc j'ai utilisé les titres de vos albums ou de vos concerts pour vous poser des questions. Vous allez reconnaître. Hein. Où trouvez-vous votre oxygène ? Alors, je le trouve en principe quand j'essaie de sortir de mon studio, donc j'en ai pas eu beaucoup ces dernières années, je dirais même, où vous demandiez ce que j'étais devenu. J'étais en quête d'oxygène dans mon studio. C'est bien, vous prenez pas le soleil, donc vous n'attrapez pas de rides. Est-ce que, comme au moment de l'équinoxe, vous aimez changer d'hémisphère ou d'atmosphère ? D'atmosphère. D'atmosphère. Qu'est-ce qui est magnétique. Je parle allemand. C'est magnétique chez vous. Il y a un carré bourgeois. Il y a eu des champs magnétiques. Qu'est-ce qui est magnétique chez vous, pour vous ? C'est à vous de me le dire, mon cher Stéphane. Tout est magnétique chez vous. Merci. Est-ce que vous revendiquez d'être en musique à l'origine de certaines revolutions ? Ça, il faut demander aux gens qui arrivent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de la scène électronique qui me considèrent un peu comme... comme une sorte de grand frère, on va dire, ou de parrain, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est réciproque, c'est-à-dire que les sources d'inspiration, ça marche dans les deux sens. Oui. Est-ce que vous aimez, vous recherchez les métamorphoses ? Dans quel sens ? Par exemple, changer, être différent, un autre, toujours se réinventer. Non, je pense qu'en fait, au risque de vous décevoir, Stéphane, je pense qu'un artiste dit toujours la même chose. Je pense qu'on cherche, on est. Je pense que la création, c'est un mélange de frustration et d'espoir. La frustration que on n'a pas fait assez bien et l'espoir que la prochaine fois, ça sera moins pire. Vous qui êtes l'auteur de Geometry of Love, est-ce qu'il y a une mathématique, c'est-à-dire une certitude de l'amour ?
Non, mais faire l'amour la tête en bas améliore la circulation de retour. Ah. Faut pas que ça dure trop longtemps quand même, hein, parce qu'après ça se gâte. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant pratique. Vous avez commencé, vous avez 70, est-ce que vous avez le sentiment maintenant d'être vintage? Non, beaucoup moins que Batman. Prenez moins de risques, quoique. Voilà, il a bien répondu à l'interview Jean-Michel Jarre par Jean-Michel Jarre. Cela dit, on a nous la nostalgie de ces grands rassemblements. Enfin, le passage à l'an 2000. Mais allez voir le pape. Le Concorde. Voilà. La place de la Concorde. C'était combien, incroyable. Un million de personnes. J'ai mis un an à m'en remettre. Il y a eu. C'est d'ailleurs une On m'a pris souvent, quelquefois, pour un mégalo. Un mégalo, et en fait, je n'ai absolument rien contrôlé dans ma vie jusqu'à maintenant. J'espère m'améliorer, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, on m'a fait des propositions. Évidemment que, comme sale gosse, je ne pouvais pas refuser. Quand on vous propose de faire un concert aux Pyramides ou autre, on ne peut pas refuser. Mais la plupart du temps, c'est pas moi qui me lève le matin en disant voilà, exactement, bien entendu. Par contre, Jean-Michel, les feux d'artifice en studio ce matin, ce ne sera pas possible. On n'a pas la hauteur. Et bien, je suis un peu déçu. Ça a impressionné tout le monde, même les Stones qui voulaient faire quelque chose avec vous. Alors, tout ça, ça nous ramène dans les années 80. Ça n'intéresse pas du tout ces fans, mais c'est vrai que c'était vrai. Qui chantait en 1985 Fresh? Ah, chic. Cool and the Gang. Cool and the Gang. On écoute sur RTL. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et si vous nous prenez en cours de route, nous sommes toujours avec Jean-Michel Jarre pour l'album Electronica qui sort demain. Enfin, le premier volet, puisqu'il y a un deuxième volet qui sortira au printemps prochain. Alors, je vous ai préparé quelques rumeurs du net. Ça vous va? Les rumeurs du net. C'est tout ce qu'on raconte sur vous. Idiot, ce que je viens de dire. Parfait. C'est parce qu'il m'a fait un sourire tellement convaincant. C'est vrai que j'ai dit parfait. C'est ça qui est difficile avec Stéphane. Il vous met des vipères dans les poches avec le sourire. C'est sa signature. Ah non, j'oserais pas parce que j'ai peur moi-même des vipères. Ah bon, c'est bien. Alors, première rumeur. Vous auriez tendance à être control freak, comme on dit, à vouloir tout contrôler vous-même et même à être un tantinet maniaque. Oui, c'est pas une rumeur, non, c'est avéré. Absolument. Mais c'est pas mal en même temps. Oui, mais ça dépend. C'est-à-dire que quand on est en bas de l'escalier et qu'on remonte pour vérifier si un tiroir s'est fermé, ça s'appelle un toc. Donc ça dépend des moments, ça peut arriver jusque-là. Mais pour la sortie d'un album, c'est pas mal parce que tous les artistes vous ont fait confiance. Ils ont donné le final cut. C'est vrai que pour réaliser un album comme celui-là, c'est mieux d'être un petit peu control freak, comme vous disiez, parce que vous maîtrisez l'anglais de mieux en mieux. Ça fait peur, control freak. Vous êtes un des artistes qui a fait le plus de une de magazines, et notamment de Paris Match. Ça, je ne sais pas, parce que je ne lis pas. Mais non, parce que là, par exemple, cette semaine, un album. Okay. Je suis très déçu, parce que je ne fais pas la lutte de match, ils ont hésité. Mais finalement, c'est le pape François. Vous êtes le pape de l'électro, aussi. Oui, c'est ça, mais ils ont préféré. Vous les gardez, les couvertures, les unes de vous? Non, mais apparemment, il paraît que vous les gardez, mes unes, Stéphane. C'est ça. Et je voudrais bien venir chez vous, justement, pour voir. Si vous avez besoin, j'ai gardé des archives, j'ai un dossier sur vous. D'ailleurs, c'est Alex a vos cassettes et lui, il a vos photos. Donc, je suis vraiment content d'être venu, franchement. Moi, j'ai les vieilles chaussettes. À défaut de conserver les articles, vous avez précieusement gardé tous les synthés avec lesquels vous avez travaillé depuis vos débuts. Et il vous arrive même de vous en resservir. Ah ben non, mais si je les ai gardés, c'est parce que j'avais l'espoir qu'à un moment donné, ils seraient utiles. Non, mais bien entendu, oui. J'ai commencé avec deux synthés, parce que j'avais des limites et financières et techniques. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai pas pu résister. D'ailleurs, tous les gens qui sont dans cet album, que ce soit des gens comme Vince Clarke, un des fondateurs de Depeche Mode ou Moby, on s'est retrouvé un jour sur eBay. Il y avait une petite boîte à rythme pour faire des sons de rythmique qui valaient rien du tout. Puis soudainement, on s'est aperçu qu'on était tous les trois. Je crois que c'est Bobby qui a gagné d'ailleurs parce qu'on a tous. Il est américain, il a beaucoup de moyens. Il a beaucoup de moyens. Alors, on le sait moins, peut-être vous êtes lyonnais. Vous êtes un lyonnais. C'est dommage qu'on ne sache pas. C'est un point commun. Et vous considérez qu'il y a beaucoup de parenté, paraît-il, entre la musique et la cuisine, la gastronomie? Ah, mais bien entendu, la musique électronique, c'est une affaire de cuisinier. C'est-à-dire qu'on met les mains dans les fréquences, dans les formes d'ondes. C'est-à-dire quand vous voyez les DJ, ils sont un peu devant les fourneaux à cuisiner des rythmes. D'ailleurs, un cuisinier, on appelle ça un piano. Exactement. Non, mais c'est pour ça que c'était évident. Je me demande même pourquoi ça m'a posé la question. Pardon, je passe à la suivante. Vous avez une autre passion, c'est la peinture, c'est vrai? C'est vrai, oui. J'ai hésité entre la peinture et la musique. Je ne sais pas qui en a bénéficié. Il y a un astéroïde qui porte votre nom. C'est vrai.
Il n'est pas très beau, mais c'est quand même quelque c'est chose. C'est classe. Ouais, c'est pas, rien, pas, ouais. C'est ouais. pas mal. Oui, c'est et qui a décidé de donner votre nom à... La NASA. La NASA. Ah, oui, rien que ça. Ouais. Bah oui, parce que j'ai fait un concert avec la... à Houston et dans lequel la NASA avait participé et à la suite de ça je pense qu'ils ont ils ont dû aimer ce que j'avais fait, ils se sont dit bah tiens voilà, mais enfin il y a beaucoup d'astéroïdes, eux ont aimé à Houston, il faut rester humble quand même hein. Eux ont beaucoup aimé votre concert de Houston, par contre il paraît que vous avez pris un procès verbal pour tapage nocturne à Houston. Oui, parce qu'en fait, on avait répété, on avait mis de la sono sur l'immeuble du FBI, mais on ne savait pas que c'était le FBI, donc ça a créé quelques tensions en ville. Ah oui, j'imagine. Ben voilà, voilà les rumeurs du net concernant Jean-Michel Jarre. On va marquer une petite pause et retrouver Éric Dussard qui va nous raconter ce qu'il a vu à la télévision. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec une petite escapade. Et oui, une petite escapade dans l'Ardèche avec ce candidat de Bienvenue chez nous sur TF1 qui adore ce coin. Hein. À un détail près, il y a quand même quelque chose qui le gêne un peu, les routes. Dans leur voiture, Audrey et André profitent aussi du paysage. Non, moi j'adore la région, je sais que... Enfin... L'Ardèche, je trouve ça magnifique. Avec un seul bémol, c'est qu'ils auraient pu faire des virages droits. Hein. Ça n'arrête pas de tourner. Alors, c'est un peu le principe du virage, le fait que ça tourne. Hein. Des virages droits, je vois pas trop comment on fait. Ils ça, honnêtement. Hein, Ardèche, ça. Où on fait des lignes droites courbes à ce moment-là. C'est vrai que ça tourne beaucoup. Hein. C'est un peu compliqué la vie. Hein. C'est une jolie réflexion. Ça aurait pu être du Nabila, hein, presque. Hein, puisque elle aussi, vous en souvenez sans doute, elle avait demandé la suppression des virages sur la butte Montmartre à Paris. Ah oui. Oui, ça l'énervait pour ses talons, la chérie. Allez, on monte un peu. Tu penses qu'ils entretiennent ce petit village charmant? Ouais, en plein Paris, c'est quand même ridicule qu'il y ait des endroits pareils. Hein. Ah, qu'est-ce que tu préfères, la tour Montparnasse? Non, mais c'est pas ça, c'est pas mieux. Faites des roues droites, les gars, avec tout l'argent que vous donnez au gouvernement. Bah ouais, non, elle a raison, il faut l'aplatir, cette butte Montmartre. Hein, ce sera plus simple pour marcher. Hein. Puis c'est bien, elle en a marre, parce que les partenaires lui disent « monte là-dessus, tu verras Montmartre ». Elle a envie d'entendre une nouvelle expression, donc voilà. Elle est pour qu'on aplatisse la butte Montmartre, c'est un vrai beau combat. Alors, sans transition maintenant, François Fillon. Encore que sans transition, il pourrait y en avoir une, hein, puisque visiblement, François Fillon a adopté un nouveau style de communication pour draguer les électeurs du niveau cérébral de Nabila. Oui, il se met à parler en « jeunes », le François Fillon. Ah. Écoutez, c'est le petit journal de Canal+, qui a fait une compilation. Allez, Ziva Fillon. Vous avez envie d'être président de la République? Si vous ne croyez pas que je me tape la vie que je mène depuis depuis 3 ans, on a merdé. On a merdé pourquoi? Si vous m'agressez, je vais vous casser la gueule. Ce que je n'aime pas dans cette formulation-là, c'est le sentiment que la France, c'est un pays à prendre. C'est comme une femme, au fond, et il faut vraiment en avoir envie. La France est un pays à prendre comme une femme. Il arrive quoi, là? Le gars, c'était un croque-mort pendant 10 ans. Ouais, maintenant, il nous fait du bigard. Oui, la métaphore sexuelle. C'est Villepin hein, qui dit ça. Ouais, c'est élégant. La France, il faut la prendre. Il faut la prendre, ouais. Bon, toujours dans la série très bizarre, vous avez dû être assez surpris si vous étiez devant BFM TV hier vers midi et quart. Vous avez dû vous demander... Pourquoi le monsieur économie de la chaîne s'est arrêté en pleine intervention et a dit « on la refait ». Alors j'ai la réponse, c'est tout simplement qu'ils se sont plantés. Hein. Ils ont diffusé à l'antenne la mauvaise version de son enregistrement. Alors pourquoi ce sont les PME qui trinquent et pas les entreprises de taille intermédiaire ou les grands groupes? Bon, attends, je vais recommencer, c'est pas propre. Et Lowendal Maasai, je me suis gouré, Lowendal Maasai, j'ai dit. Regarde, c'est à droite, on va ta gueule. Ouais, on y va. Ok, bah c'était prêt, nous aussi, à droite, on voit ta gueule. Ah oui. c'était en direct, ça. C'était censé être en direct. Hein. Ça, voilà, pour ceux qui se demandaient justement si BFM TV était en direct toute la journée, bien, vous avez la réponse. Il y a certains éléments enregistrés. Parfois, on vous passe ce que l'on appelle les rushs, ce que l'on n'aurait jamais dû voir. Incroyable. Un sujet délicat dans Enquête d'Action sur W9. Oui, puisqu'il était question de polygamie. Alors, avant tout, petit rappel de la définition de ce terme avec cette candidate de Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce qu'un homme polygame possède en plusieurs exemplaires? Un homme polygame. Des photocopies? Non. Il collectionne les secrétaires qu'il se tape sur la photocopieuse. Nuance. Donc, la polygamie... C'est mignon. C'est mignon, ouais. Ça poserait moins de problèmes si c'était réellement cela. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes qui sont au courant, sinon on appelle ça d'adultère, et certains le vivent très très bien, comme ce triangle amoureux québécois, très excitant, je dois dire. On a décidé de passer nos nuits à trois. Si on est les trois dans le lit, une personne pourrait dire « ben moi, ce soir, j'ai pas nécessairement le goût,
Par contre, vous pouvez vous coller, vous caresser, vous embrasser, avoir une relation complète, même si je suis là. Je peux aussi bien décider que ce soir-là, ben, ça me tente de me coller sur Karine. Je vais être classée au milieu, je vais me coller plus sur Karine. Puis moi, c'est sûr qu'en étant un polyamoureux, ça me comble. Ah bah ça se voit, il a l'air extrêmement joué. On voit que ça le comble. J'espère qu'il est un peu plus nerveux. C'est pas très sexy. Ouais. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui. J'espère qu'il est plus nerveux au lit parce qu'elle doit tricoter les deux autres. Hein, mais c'est horrible parce que l'accent québécois... Ah, ça tue. Ça tue. Ça tue un peu l'excitation. Je suis pas ta mère, t'as pas faim. Très beau. Ah non, Régis, au piquet, sortez de là. Ah non, mais c'est pas possible. Quel sale gosse. Très beau témoignage de Céline Dion, en tout cas. Bon, on leur souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, dans cette relation polyamoureuse, comme on dit. Si jamais un jour, elle était un peu moins polie, un peu plus dans l'insulte, pas de problème. On a vu toujours dans Enquête d'Action sur W9 un médecin qui pourrait les aider. Écoutez ce qu'il prescrit aux couples en crise. Moi, je préfère quand les émotions, même les émotions négatives, elles circulent un peu, d'accord? Donc, je sais pas, on dit que vous vous engueulez à 16h aujourd'hui, faire un point sur les trucs qui vont pas, qui vous ont frustré l'un et l'autre pendant à 16h. Bon, ok, donc je vais vous prescrire une engueulade à 16h. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Un petit beignet à l'heure du goûter. Non, pas encore. Non, mais vous imaginez 15h59, ils sont de super bonne humeur. 16h, ils se mettent à s'insulter. On respecte la prescription médicale. En plus, ils voient pas. C'est bon, pour la même heure. Mais c'est ça. Il faut être assez raccord. Sinon, ça tombe, ça tombe là. Ça peut peut-être marcher. Essayez chez vous, je sais pas. Incroyable. Et on termine avec notre Gérard Depardieu national. Oui, GG qui continue de nous faire saliver pendant toute cette semaine. Vous le savez, semaine du goût sur Arte avec cette émission spéciale. Et alors, c'est l'heure de la minute miam miam. Mais il y a quelques années, je suis allé à Lyon pour la première fois. On m'a servi quelque chose que je n'avais jamais goûté auparavant. C'est une sorte de saucisse, mais c'est... Andouillette. Andouillette, c'est ça. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude... L'odeur, t'as l'impression de manger de la merde, de toutes les merdes qui étaient sur le machin. Ça sent le cul. Et la pisse aussi. Oui, c'est ça. Eh bien, bon appétit à tous ceux qui s'apprêtent à manger une petite andouillette. Puisqu'il est en tant que Lyonnais, il faut lui donner les bonnes adresses. Ouais, ouais, Gérard, hein. Voilà. Pas les bonnes. Je crois qu'il y en a à RTL ce midi. Mais c'est bien, tout le monde en prend. Hein. Fameuse la politique, c'est comme l'andouillette. Il faut que ça sente la merde, mais pas trop. Mais pas trop, exactement. On va... Merci beaucoup, Éric Buchet. On vous retrouve demain. On va retrouver notre invité, Jean-Michel Jarre, dans un court instant. À tout de suite.